Faut savoir que des appartements comme celui-ci, par exemple, on paye globalement. Hello, entrez. Entrez, je vais vous montrer un petit peu, du coup, bah, où je vis, comment ça se passe ici à Londres. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander une visite de mon appartement ou en tout cas de comprendre pourquoi est-ce que j'ai déménagé à Londres, comment est-ce que cela se passe, comment est mon appartement, comment sont les bureaux, comment est le quartier, comment est le fameux rooftop que vous voyez tout le temps sur Instagram, d'ailleurs mon Instagram s'affiche à l'écran, comment également je peux faire pour aller à la salle de sport, etc. Tout est au même endroit, pourquoi, combien ça coûte, etc. etc. Donc, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. On va passer par la pièce principale dans un premier temps. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type d'appartement, le gros avantage, vous allez le voir, c'est surtout en fait les commodités. C'est-à-dire que c'est pas juste un appartement, c'est tout ce qu'il y a autour, tout l'écosystème qu'il y a autour, on va dire. C'est-à-dire le concierge, c'est-à-dire la possibilité de se faire livrer ses repas, la possibilité de se faire livrer ses courses, la possibilité de faire venir certains services à domicile, tels que la femme de ménage, tels que les massages si on en a envie, le coiffeur si on en a envie, le barbier si on en a envie, etc. etc. Et aussi la disponibilité des salles de sport, des bureaux, des salles de séjour, etc. Pour pouvoir avancer. Donc, avant tout, on arrive dans cette pièce avec ce merveilleux téléphone magique qui fait que on peut ouvrir au livreur depuis ici car on est quand même presque au 30e étage. Donc le livreur depuis en bas directement, il appuie, il clique, on lui ouvre et ensuite on peut l'avoir même au téléphone si on veut, notamment quand il nous livre des super repas Deliveroo. Ici, on a probablement la pièce la plus importante de tout l'appartement. Je vous l'épargne, c'est tout simplement une machine à laver. Là, on a un petit réduit avec des choses plutôt sympas qui sont l'objet de différents fantasmes publicitaires, notamment pas forcément un aspirateur, mais surtout en fait des masques, des choses ainsi qu'on ne voit pas ici, mais un bonnet de Noël, un masque Anonymous ou des choses ainsi quand on teste des angles publicitaires. Là, on y viendra juste après. Et ici, on est dans la pièce principale, la pièce où je passe, je dirais, 30 à 40%, peut-être plus, de mon temps quand je suis à Londres. C'est-à-dire que vous avez plusieurs choses importantes ici. La première, qui est le bureau. Sur ce bureau, là ici, j'ai pris cette chaise parce que justement, j'avais une chaise de bureau. Et les chaises de bureau, c'est quelque chose qui est extrêmement important de bien choisir à mon sens. Et j'avais une chaise de bureau, mais à chaque fois, je m'amusais avec, etc. Elle roulait, etc. Or là, du coup, je mets souvent un coussin simplement et ça m'oblige à rester droit. Et comme ça, je fais des sessions de travail. J'en fais peu dans la journée, mais je fais vraiment du travail effectif. Ou alors, quand je fais mes coachings, je suis ici. Il m'arrive de travailler aussi là. Il m'arrive de travailler aussi là-bas. Il m'arrive aussi de travailler ailleurs dans les bureaux. J'aime travailler sur deux écrans à chaque fois parce que ça me permet de démultiplier ma productivité et d'être plus efficace. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que cet appartement, du coup, avec sa vue, avec son emplacement, on est juste à côté de Canary Wharf, qui est là-bas, que vous voyez là-bas, qui est un quartier d'affaires. Eh bien, c'est aussi l'ancien appartement d'un joueur de l'équipe de Tottenham. Donc, on a la chance d'avoir justement bon nombre de personnes, de personnalités, même des influenceurs, certains youtubeurs, certains infopreneurs ou gros entrepreneurs américains, même des fois certains acteurs, etc. ou des gens qu'on croise comme ça et on se dit « mais je t'ai déjà vu quelque part » et en fait, bah, on l'a vu dans tel ou tel film, etc. Donc, c'est vraiment chouette parce que ça nous permet d'accroître aussi son réseau, d'accroître le champ des possibles, d'être connecté à des gens qui ont une autre vision du monde, d'être connecté à des gens qui du coup, ont on va dire, un niveau de conscience, un niveau d'éveil, un niveau de réseau et d'opportunité qui est totalement différent. Donc, on a aussi quelque chose qui est assez intéressant ici. Beaucoup de gens pensent qu'à Londres,
il fait comme aujourd'hui nuages, brouillard, gris, mais des fois, comme il y a deux jours, où là on a fait quelques vidéos pour la chaîne YouTube, on est obligé de mettre sur les vitres des filtres UV tellement il y a de soleil. Donc c'est assez dingue des fois. Ensuite, on a quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur, que j'adore, c'est la cuisine. Alors la cuisine, moi personnellement, j'y suis rarement, je cuisine très peu, je cuisine, je vais pas dire très mal, c'est faux, parce que je cuisine pas assez pour savoir si je cuisine bien ou pas, mais ce que je fais en fait, c'est que je me fais livrer en fait tous mes repas. C'est-à-dire que j'ai quelque chose, comme on peut le voir ici, où il y a justement le numéro de l'appartement, le numéro des choses, mes informations, etc. Et en gros, tous les matins, quand j'ouvre la porte, dans les coups de 3 à 4 heures du matin, on me livre. Donc je me réveille vers 6-7 heures, heure locale, des fois plus tôt, ça dépend. Et on me livre justement tous mes repas avec ici une poche de glace. Donc c'est un sac isotherme. Et ensuite, ça ressemble à ça, tout simplement. On les a ici dans le frigo, justement. Alors, c'est vraiment un frigo où on a uniquement les élémentaires. C'est-à-dire des canettes qui sont faites non pas des sodas, mais simplement de l'eau gazéifiée, aromatisée, sans arôme artificiel. Un peu de poulet, un peu à manger. Et surtout, ben, tous ces repas déjà préfaits. Donc, je vais vous montrer en exemple, par exemple, celui-ci. Voilà, de la viande, de la salade, des tomates, etc. En gros, ce sont des repas healthy. Ça s'appelle Fresh Fitness Food qui nous livre tout ça et on peut calculer nos macros, calculer nos calories, etc. Voilà, globalement un frigo, tout ce qu'il y a de plus standard et de temps en temps on se fait plaisir avec des livraisons. Pourquoi est-ce que je parle en on? Parce que cet appartement, je n'y vis pas seul. Vous allez le voir après quand je vais vous faire visiter un petit peu les chambres et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi et dans quelle dynamique on évolue ici. Je vis avec deux autres personnes. D'une part, Amine, mon associé, avec qui on a créé notre première entreprise en juillet 2017 et on a tout démarré. Et notre bras droit, qui est également aussi associé désormais sur l'une de nos entreprises, avec lequel, qui a été en fait le premier à rejoindre l'équipe, le premier de nos collaborateurs, quand bien même c'est bien plus qu'un simple collaborateur. Et dès le départ, ça l'a été. C'est vraiment un partenaire, avant tout de confiance, un ami. Et pourquoi en fait on est ensemble ici? Tout simplement parce que à un moment donné, on s'est dit en avril 2019, on ne veut pas forcément avoir des bureaux dans notre structure. Par contre, on est prêt à clairement faire une coloc entre guillemets inspirante dans laquelle justement on peut travailler, on peut être inspiré, on peut avancer. Donc effectivement, ça implique qu'on a dû créer une société ici à Londres, ça implique différentes choses juridiquement parlant pour être dans les clous avec toutes nos entreprises, toutes nos entités à titre professionnel ou à titre personnel, avec une holding, avec différentes structures. Ça ouvre les champs des possibles, ça ouvre des opportunités extraordinaires et surtout, ça démultiplie notre productivité, d'autant plus que nous sommes tous complémentaires. Au même titre que, par exemple, aujourd'hui, je suis seul dans cet appartement, on est rarement tous ensemble présents ici et ça permet aussi de respirer et d'avoir son temps libre. Moi, je suis beaucoup en déplacement par exemple. Qu'est-ce que je peux vous présenter de plus ici dans cette cuisine, hormis des réserves en cas de guerre ou en cas de je ne sais quoi, des œufs, des protéines et surtout l'objet de tous les fantasmes, non pas cette superbe carte postale de Noël qu'une de nos clientes et prestataires nous a gentiment envoyée, mais l'objet de tous les fantasmes, cette magnifique machine à pop-corn, le second objet de tous les fantasmes, cette magnifique machine à café, car celle-ci qu'on a même, on l'a même baptisée, on lui a même donné un nom tant elle était capricieuse. Je vous épargnerai son nom. Mais par contre, on a aussi désormais investi dans un superbe outil qui nous fait des chocolats chauds merveilleux. Je recommande d'ailleurs cette marque. Ce n'est pas un placement de produit, mais Hôtel Chocolat, c'est vraiment de la tuerie. Ensuite, on a une terrasse. J'espère que le bruit ne sera pas dérangeant. On a ici deux terrasses. La première ici, qui donne une vue sur la Tamise, une partie de la Tamise, etc. Avec justement... là-bas, on a le O2 Arena que vous avez probablement vu avant sur les autres plans. La Tamise là-bas. Et justement, juste à droite, on a le quartier de Canary Wharf. C'est simplement un quartier d'affaires. Simplement un quartier d'affaires avec différentes banques, avec Ernst & Young, avec Citi, avec Barclays, avec HSBC, avec KPMG, etc., etc. Il y a des super restaurants d'ailleurs. On se fait chaque fois un malin plaisir à inviter dans les meilleurs restaurants de la région tous nos clients CHP, donc Coaching High Performance.
Et justement, on a pu découvrir vraiment des belles pépites. J'ai mangé parmi les meilleurs plats que j'ai pu déguster toute ma vie ici à Londres. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'une des raisons pour laquelle j'ai déménagé à Londres, outre le fait que, comme vous le verrez sur certaines images, on a un quartier fort sympathique, il y a différentes commodités, on a un concierge, on a également différents bureaux à notre disposition, on ira juste après, on a également un quartier super inspirant, on a également la ville de Londres, certes que vous connaissez probablement, que vous avez déjà vu dans d'autres vlogs ici, c'est vraiment une belle dynamique. Là, on a bien sûr une bibliothèque avec une partie des livres que l'on consulte, que l'on lit. Mais là, on va aller du coup dans ma chambre. Ma chambre, vous allez le voir, c'est vraiment sommaire tout simplement, avec ici d'abord une salle de bain, voilà, qui fait son travail, hein, avec surtout, et vous allez comprendre pourquoi, un super peignoir en mon nom pour pouvoir profiter du sauna, du spa, du hammam, de la piscine, de la salle de sport et de tout ce qui s'ensuit. Hop. Ensuite, du coup, on a une chambre. C'est merveilleux. Comme vous pouvez le voir, à la qualité du repassage de mon drap, j'ai un master 2 en repassage de drap de lit. J'ai absolument pas rangé cette chambre de façon à ce que ce soit le plus authentique possible. Le but, c'est vraiment que vous puissiez percevoir que je suis, tout comme vous, un être humain, que certes, je fais mon lit le matin, mais c'est la dernière de mes priorités. Là-bas, on voit au loin Londres, notamment la City. Je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais en tout cas, on a une belle vue de Londres. J'aime bien également dormir le rideau ouvert. C'est ultra inspirant de voir ces buildings scintiller, s'allumer. J'ai ma valise que je prends absolument partout, tout le temps, toujours, parce qu'elle est souvent, elle est jamais, pratiquement jamais défaite. Ici, rien de plus standard, hein, je ne vais pas vous montrer toutes mes fringues, mais on a quelques costumes, quelques paires de chaussures là-dedans, quelques affaires. Et du coup, normalement, j'ai la clé juste ici. On va pouvoir aller sur la terrasse, hop, et rejoindre l'autre partie de l'appartement. Donc ici, j'ai quelques bouquins, effectivement, que je lis, les bouquins que je lis en général. Maintenant, ce salon, ce qu'il faut savoir, c'est que outre le fait qu'effectivement, il a un joli canapé d'angle, il a aussi, on ne le voit pas bien parce qu'il est caché par, par le canapé et par des cartons, mais on a aussi un super pouf très très confortable. Et ce mur, en fait, le mur qu'il y a juste derrière ça, il est amovible. Donc on va aller faire le tour et on va aller voir de quoi il en découle. En fait, il s'agit tout simplement d'une troisième chambre à notre disposition, qui est celle-ci, et qui est un petit peu une sorte de réduit également en même temps. Ensuite de ça, on a là-bas en face un hôtel, on a en face un autre de nos balcons. Donc vraiment, ça fait vraiment coloc business bureau, hein. C'est pas du tout un appartement de vie standard, mais ça permet d'optimiser chaque instant de notre vie. Ensuite ici, on est dans la chambre d'Amine. La chambre d'Amine, elle permet, elle est un peu plus spacieuse. Ça aurait pu être ma chambre, mais malheureusement pour moi, lorsque l'on est arrivé du coup en avril 2019, j'ai perdu à feuille, caillou, ciseaux. Donc j'ai perdu cette chambre, c'est comme ça. Ça paraît un peu ridicule, mais c'est une histoire vraie. Et du coup, ici, donc, on a cette chambre avec également ses lectures juste là-bas, son bureau juste là, qui lui permet de travailler, d'avancer, son super mur qui lui permet d'écrire ses différentes choses, et une vue sympa également sur une autre partie de Londres, avec aussi, on va juste bouger ça, hop, pour aller se rendre sur la deuxième terrasse et profiter de ce côté de la vue. Et voilà, et du coup là, on a une autre partie de la vue qui nous permet justement d'apprécier également, d'une part, le matin tôt, quand c'est dégagé, le lever de soleil qui part de là-bas au fond et qui fait tout le tour, et d'autre part, en fin de journée, le coucher de soleil là-bas, quand c'est terminé et que c'est dégagé, que ça fait plaisir. Aussi, bien évidemment, quand notamment on a des fêtes, etc., comme le 1er janvier et autres, vous vous doutez bien qu'on a des superbes feux d'artifice ici, donc c'est plutôt chouette. Ok, donc là, j'ai mis une petite veste rapidement et on va monter au sommet du bâtiment de façon à vous montrer quelque chose.
Et donc dans ce type d'endroit, vous allez le voir, ce qui est intéressant, ce sont également les espaces communs. Ici, ça te permet justement d'avoir une vue assez sympa et de pouvoir travailler tranquillement. Et notamment ici, souvent, on a nos chers amis de l'offre CHP qui viennent ici, où on travaille toute la journée sur leur business, ou alors ici on fait souvent des réunions avec l'équipe ou même avec nos associés de façon à aussi prendre de la hauteur, accès bien sûr à différentes commodités. Et derrière, le plus intéressant aussi, c'est justement cette terrasse à vue panoramique à 360 degrés qui nous permet aussi là d'apprécier, de prendre de la hauteur. Et quand il fait beau, effectivement, il fait très chaud ici et c'est très 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 agréable. Et je vous invite vraiment, peu importe qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, même que vous soyez débutant, faut savoir que des appartements comme celui-ci par exemple, ok, c'est un certain coût, c'est clair, on paye globalement 4 500 € par mois. Mais d'une certaine façon, vous pouvez déjà prendre une partie de ces frais, voire la totalité dans une certaine mesure, en frais professionnels, en frais d'entreprise. En plus de ça, il y a aussi tous les intérêts qu'il y a derrière. Certes en termes d'image de marque, en termes de branding, mais aussi en termes de productivité, en termes de réseau, en termes de coûts d'opportunité. Donc c'est vraiment, en termes d'opportunité d'ordre général, donc c'est vraiment très 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 intéressant et à prendre en compte, à prendre dans la balance. Aussi, je ne fais pas l'apologie de Londres, bien que typiquement, ça soit juste génial. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup vivre ici, mais la Suisse, c'est bien aussi. Dubaï, c'est bien aussi. La France, la Côte d'Azur, c'est très bien aussi, etc. Mais c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir un environnement qui nous inspire et qui nous tire vers le haut. Là-bas, du coup, il y a l'aéroport de London City, London City Airport, qui est un aéroport tout simplement à 15 minutes en Uber, en taxi ou même en métro d'ici. Donc globalement en 1h, 1h30, je suis en Suisse par exemple, je suis à Genève. Donc c'est super pratique. C'est super pratique. Là-bas on a le quartier de Stanford qui est un quartier justement de centres commerciaux notamment. Et c'est aussi à 10-15 minutes de chez nous. Et ensuite, la City, Londres de l'autre côté. On voit peu, on voit pas énormément, mais c'est intéressant. Le métro, bien évidemment, le DLR, j'appelle ça le métro dans les airs, mais qui nous permet vraiment d'avoir accès à tout. Et le quartier de Canary Wharf qui est juste là, juste ici. Donc c'est vrai que c'est super inspirant. Après, je vous emmènerai notamment cet après-midi dans les bureaux parce que j'ai deux vidéos à tourner également pour la chaîne YouTube ainsi qu'un rendez-vous, quelqu'un qui veut venir ici à Londres pour m'interviewer. Donc je profiterai de vous montrer une partie des bureaux qui sont à notre disposition également. Et on a aussi du coup cet espace commun que vous avez vu juste avant que j'utilise souvent parce que c'est vrai que prendre de la hauteur c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement et ça change l'atmosphère. Il vous suffit de prendre l'ascenseur et vous avez typiquement soit accès à des bureaux très formels avec même ce qu'ils appellent des pods où ce sont des petites pièces de 1 mètre carré qui vous permettent notamment de faire des calls, des appels et d'être vraiment isolé. On peut aussi bosser dans notre appart, c'est clair. Ici, aller à la salle de sport, au sauna, au hammam, au spa, lire un livre. Donc c'est vrai qu'il suffit juste de prendre l'ascenseur et boum, on est totalement déconnecté. Ou alors on va dans le quartier là-bas et on a à disposition énormément de choses. Ok, donc là on est au bureau et justement ce qui vient de se passer c'est que on a été arrêté pas moins de 5 fois par la sécurité entre dans le quartier, dans le bâtiment, là-haut et ici encore au bureau. Pourquoi? Eh bien c'est plutôt une bonne chose en soi, c'est que c'est justement très très surveillé, très sécurisé parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui habitent ici et donc d'une part ils tiennent à leur confidentialité, à leur tranquillité et d'autre part c'est uniquement des questions de sécurité. Non pas que le quartier soit dangereux, bien au contraire on est dans un quartier d'affaires assez réputé et assez calme d'ordre général, mais plus parce que justement il y a un peu d'argent par ici
et il y a des jolies choses, donc les gens tiennent à leur confort et leur tranquillité d'esprit. Donc là, on est ici dans ce bureau, comme vous avez vu il y a quelques instants, de belles images de ces bureaux où on a la possibilité d'avoir différentes salles de réunion, un grand espace de coworking et aussi des petits pods pour pouvoir faire différents appels. Mais surtout, ici, en l'occurrence, on va faire un tournage. J'ai encore une vidéo à vous tourner sur la thématique de comment avoir trop de clients. Donc j'imagine que cela va vous plaire. Et également quelqu'un qui va venir ici, qui vient de Paris, qui a pris l'Eurostar aujourd'hui de Paris pour venir m'interviewer. Donc on va faire cette interview, on va faire cette vidéo. Ça va bien se passer, ça va être vraiment chouette. Et ensuite, du coup, on va vaquer à nos occupations, notamment ce soir. On a une conférence sur l'immobilier avec justement Prudency Immobilier, notre structure, notre société dans l'immobilier qui aura lieu ici à Londres. Où on a justement notre associé Florent qui est ici à Londres pour une réunion trimestrielle sur Prudencia et on va profiter de sa présence ici à Londres pour faire une réunion sur l'immobilier quand on est expatrié à Londres pour investir notamment en France. Donc différentes choses qui vont se passer demain également, départ pour Paris pour une interview sur le plateau de Forbes et Le Figaro. Donc on va voir tout ça dans un prochain vlog. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis également de voir dans quelle dynamique j'étais, dans quelle dynamique je vivais. Je fais beaucoup d'allers-retours, que ce soit avec l'Eurostar ou avec les avions, dans la routine dans laquelle j'évolue également, les personnes avec lesquelles je travaille et que je côtoie au quotidien. Là aussi où vous pourriez potentiellement être, car c'est même dans cette salle qu'on a accueilli notre tout premier mastermind également et nos coachings. Donc ce sera un grand plaisir, pourquoi pas, de vous voir ici assis sur cette chaise à mes côtés par la suite pour développer votre business. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve à très bientôt. Et du coup, likez cette vidéo, partagez cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt.